Depuis des siècles, aucun homme, femme ou enfant n'a pu pénétrer les forteresses enneigées de ce dangereux dôme de glace. La température est bien en dessous de zéro et les vents sont déchaînés. J'ai dit, les vents sont déchaînés. Lila, tu m'envoies un peu de vent, s'il te plaît? Terriblement déchaînée. Polly, ça aurait plus de sens si tu faisais super petite. Oh, où est passé ton médaillon? Être super petite, ce n'est pas une option pour affronter cette situation. Les loups affamés ne feraient de moi qu'une bouchée. Vous devriez voir vos têtes. Tu peux me rappeler pourquoi on veut créer une tempête de neige plutôt que de manger de la glace devant une bonne émission? Parce que je m'étais dit qu'on aurait pu tourner une super séquence comme au cinéma. Comme au cinéma? Oui. C'est quelque chose que je rêve de faire depuis un petit bout de temps. D'accord, ça pourra attendre encore un peu. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ce soir? Quelque chose d'estival, j'imagine? Eh bien... nous pourrions, par exemple, aller au karaoké. J'ai imprimé et plastifié les paroles afin d'éviter de revivre le drame du chocolat chaud renversé ou le coup du téléphone à court de batterie. Quoi? Quand on n'est pas préparé, on n'a que ses yeux pour pleurer. Ce soir, c'est le premier épisode de mon émission de mode préférée. J'ai pensé qu'on pourrait la regarder ensemble. On a trouvé une façon insolite de passer du temps toutes les trois. Vite! Il faut qu'on sorte d'ici, sinon ma caméra va être hors d'usage! Polly, utilise ton médaillon! Je ne veux pas manquer la chanson d'ouverture de mon émission! Trop tard! Oh, ne t'inquiète pas, Lila, on va sortir d'ici en moins d'une seconde! Super petite! Super petite! Polly? Pas de chance. Je sais. Je vais utiliser ma posture fétiche de caraboum et nous serons libérés. Attendez. Si nous exerçons toute une certaine pression avec un angle de 90 degrés en se penchant vers l'avant, nous devrions avoir assez d'élan pour nous faire rouler vers le médaillon. Praline, te voilà. Sois un bon chien et attrape mon médaillon qui se trouve sur la table. C'est un bon chien. Maintenant, amène-le jusqu'ici. S'il te plaît. Oh non, on nous retrouvera coincé ici dans un millénaire et on sera devenus des momies. Hors de question. Shani, tu crois que tu pourrais faire un lasso avec cette guirlande lumineuse? Je relève le défi. Polly, nous ne sommes pas petites. On ne pourra jamais faire de la tyrolienne avec ça. Comment tu te débrouilles en lancer? Si j'ai été sacrée championne de caraboum cette année, ce n'est pas par hasard. Dépêche-toi, lance ce lasso sur la poignée de la porte. Accroche-le bien et on pourra enfin nous extirper de cette boule de tissu une bonne fois pour toutes. Vous êtes prêtes? Super prêtes. Ah!
Oui. C'était un atterrissage tout en douceur. Oui. Ma caméra a survécu au drame du chocolat chaud renversé. Si seulement je l'avais laissée allumée, les 10 minutes qui viennent de passer auraient pu faire un excellent film catastrophe. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Que diriez-vous de s'offrir un vrai petit tour de tyrolienne? Super petite!